les amis, voici la Maserati Ghibli hybride. Bon, Cyril, très bonne surprise, ça chante pas mal. Hein. Ça chante pas mal. Ah, franchement, c'est impressionnant. Alors au niveau conso, mon petit ami. Bon, là, je me suis amusé. Tu t'es mis en mode sport, ok. Et puis surtout, j'ai conduit aux palettes. Ah, ça c'est bien. On le sentait vraiment. Hein. Ouais, c'était super intéressant. Ouais. Franchement. En fait, les régimes, je les ai montés jusqu'à 5500, 6000. Ah oui, quand même. D'accord. Pour que ça commence à chanter et pour que ça commence à être vraiment dynamique. C'est super mélodieux. Hein. Franchement, on critiquait, mais honnêtement, on peut très bon point. Hein. Elle chante, la diva. Ah ouais, quand même. Pardon, cette jolie Ghibli hein, italienne avec les plaques italiennes. Déjà, on la présente de manière générale. Donc Maserati, vous connaissez. Ghibli, c'est la berline de taille moyenne, hein, puisqu'au-dessus il y a la Quattroporte. On est ici sur une version 2021 avec quelques petites retouches de style qu'on va expliquer. D'accord. Et puis surtout, on est sur la version hybride. On va revenir sur l'hybridation en détail un peu plus tard. On ouvrira le capot moteur et on parlera autour de ce fameux moteur qui peut risquer au débat ou à polémique. En bref, on n'en dit pas plus. Pas de polémique pour l'instant. On passe au changement, un petit peu restyling et la suite. Mister Cyril, parle-nous de cette belle face avant à l'italienne Maserati. Alors déjà, on est sur une version Grand Lusso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bouclier spécifique, un peu moins sportif, puisqu'il existe également la version Grand Sport, qui est un peu plus typée sport. Mais là, on est sur une version Grand Lusso, donc on a un bouclier spécifique avec ses entrées ici, tu vois. Des vraies entrées d'air. Hein. Des vraies entrées d'air avec ce petit design type des abeilles qui est joli. Ouais. On a des jambes chromées un peu partout parce qu'encore une fois, on est sur une version Grand Lusso. Donc version luxe. Voilà. Une nouvelle signature optique avec, tu vois, des petits détails ici. Maserati. C'est écrit Maserati. C'est assez propre. C'est la grande classe à l'italienne et cette fameuse calandre. La calandre concave. Alors concave ou convexe? Alors concave vers l'intérieur, convexe vers l'extérieur. Très important. D'accord. Le logo Maserati, si tu regardes bien en détail, en fait, il a changé. Pourquoi? Parce que là, il est derrière une plaque de plexi. Parce qu'en fait, cette version, cache les radars, c'est ça, hein? Voilà, elle cache des radars. Ouais. Elle est complètement au goût du jour technologiquement, puisqu'on a dedans tous les systèmes de conduite semi-autonome. Je dis bien semi-autonome. D'accord, ok. Rien que ça. Et bon, c'est malin. C'est malin de cacher, on va dire. Maintenant, tout le monde le fait à peu près, mais c'est malin parce que c'est vrai que cette grille-là, si tu commences à mettre des radars à droite à gauche, ça se voit tout de suite. C'est un peu moche. Le logo historique, là, quand même. Rien que pour ça, rien que pour ça. La couleur, on est sur un gris, grigio. Simplement. Comment tu dis? On pourrait peut-être le faire avec l'accent italien. Grigio. Ma che bella. Alors, hein, changement esthétique. Oui, c'est un peu light. C'est souvent, tu sais, sur les changements comme ça, de fin de vie. En de gamme, non, pas encore en fin de vie. Mais c'est souvent l'avant, l'arrière, en fait, hein, qui en profite. Ah, tu sais que ça fait 7 ans qu'elle est sortie, cette voiture. Hein. Oui, mais chez Maserati, parfois... on traîne, on profite longtemps. On profite et en même temps, est-ce qu'il y a besoin de changer tous les 3 ans un design qui plaît autant? Regarde la durée de vie de la Grand Tourismo, franchement. C'est vrai, ça. Moi, même aujourd'hui, elle est encore belle. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Regarde un détail. Alors je note justement le détail de ton écharpe avec ce que tu vas nous annoncer. Je suis toujours accordé aux voitures. Il y a toujours un petit raccord. Alors, qu'est-ce que tu allais nous dire? Alors, moi, ce que je remarque ici, c'est, tu vois, les ouïes caractéristiques maintenant de tous les modèles Maserati. D'accord. Ouais. Mais là, elles sont soulignées bleues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est spécifique à la version hybridation. D'accord. Oh, ok. Ici, on a des jolis étriers de frein bleu. Par contre, attention, c'est pas de série. C'est pas parce que c'est de l'hybridation, c'est simplement parce que c'est une couleur proposée au catalogue. C'est très beau. Les jantes ici qui sont en 20 pouces. Alors, 245-40. Voilà, sont sorties également du catalogue d'options. D'accord, donc c'est des Pirelli P0, donc ça c'est vraiment pour le côté sportif. On est sur des disques ventilés et perforés, donc ça s'annonce un peu du sport. Quand tu regardes la jante, tu dis, il y a du sport qui s'annonce. Combien de chevaux tu m'as dit? 330 chevaux. 330 chevaux. On a le logo, enfin le nom Maserati sur l'étrier de frein. Ah oui, bien, j'avais pas vu. Là, on a la petite touche sportive. La petite classe. Bien là, mais voilà. Ouais, on voit quand même, on distingue l'écriture. Ça, c'est plutôt cool. On est sur la version Grand Lusso, ça veut dire que là, on est sur la berline typé luxe premium, donc tu vois, ouais. Des joncs chromés, les poignées de porte sont chromées. Oui. On est dans quelque chose d'un peu plus luxueux qu'une version pure sport. On est sur la partie élégance. Est-ce que tu peux me rappeler, Cyril, un petit peu les différentes versions? Tu as la Grand Lusso, tu as quoi? La Grand Lusso Lusso, pardon. Lusso. Lusso, Lusso. Donc la Grand Lusso qui veut dire grand luxe. Ouais. Il y a la Grand Sport pour le côté un peu plus sportif. Ouais. C'est la même voiture, hein, c'est ouais. Simplement. C'est des finitions, quoi. En termes de design, on aura quelques petites touches plus sportives. Au-dessus de ça, il y a la version Trofeo. 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 Qui... Trofeo. On n'en dit pas plus. Pas. Non. Est-ce que vous avez deviné derrière son sourire qu'est-ce qui... Voilà. Bon allez, on n'en dit rien, mais Trofeo, alors du coup c'est quoi? C'est V8 et c'est la plus haute. C'est celle qui donne la banane. Ok, ma que bella. Allez, on continue. Moi j'adore ces flancs là, c'est ce travail sur la carrosserie. Je sais que ce travail de carrosserie, c'est pas forcément de l'aéro, mais c'est surtout un travail qui est fait pour les jeux de lumière. Oui. De manière à affiner la voiture, de manière vraiment à lui donner cet aspect que tu vas pas forcément distinguer à l'œil, mais que inconsciemment tu vas voir et qui vont la rendre encore plus belle. En fait, c'est une astuce de designer pour rendre du volume, enfin donner plus de muscle aussi à la voiture. Plus de muscle ou plus de fluidité, ça dépend comment on organise la ligne. Mais regarde, tu vois ici, tu as cette courbe là qui part sur l'aile, qui va lui donner justement cet aspect musclé sans forcément gonfler les ailes au maximum, ouais. Parce que tu vas jouer sur les lumières. D'ailleurs ça se voit bien même avec un ciel gris. Le temps est pourri les amis. Ouais. Mais regarde, t'as l'impression qu'ici on est sur un gris clair. Ouais, c'est vrai. Et là boum, on tombe sur un gris foncé. Très... Ça c'est fait exprès en fait. Très contrasté, j'adore, j'aime beaucoup. Est-ce que tu nous parles de ce petit logo avec cette... comment on appelle ça? Cette lance en fait, regarde, c'est une espèce de petite lance comme un harpon. Ah ouais. Ah oui, parce qu'on va pouvoir aller à la pêche à la baleine avec. Le roi Triton, il est là. En fait, voilà, c'est simplement pour souligner le fait qu'on est sur une version hybride. Chez Maserati, l'hybride, c'est bleu. Attends, fais voir ton écharpe. Est-ce qu'on est sur le même teinte de bleu? Non, pas tout à fait. Ah, faute de goût, mon ami. Bon, mais la partie... On arrive sur ma partie préférée. Ah, c'est vrai? C'est ta partie préférée? Moi, je préfère la partie avant. Ouais, mais là, il y a une partie qui fait plaisir au cœur des amateurs d'anciennes. Parce que regarde ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça. Ouais. Tu vas me dire oui et alors. Donc le bloc optique arrière. Est-ce que je peux te le dire? Oui et alors. Ben voilà, oui et alors. Il y en a plein qui lisent oui et alors. Oui alors, ils ont changé les phares, ok d'accord. Regarde cette forme de phare. Ils sont même plus jolis, hein. Je préfère ceux-là que les anciens. Ouais, parce que c'est ton inconscient qui parle. Ah, je te vois venir. Alors l'histoire, qu'est-ce que ça? On est sur des feux qu'on pourrait appeler de type boomerang. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez où il veut en venir? Chez tous les aficionados, tous les amateurs de la marque, il y a eu dans notre vie un moment où on a été choqués, meurtris. Quand ils ont sorti la 3200 GT, je te laisserai... Elle est belle. Je te laisserai incruster l'image par là, par là, par là. On verra. Bref, à l'arrière, il y avait ces fameux feux boomerang. Tout le monde a été unanime, on dit mais qu'est-ce que c'est joli. Ouais, c'était magnifique, c'est une œuvre d'art. 2 ans après, ou 3, enfin bref, on cherchera. Ouais. Ils nous sortent l'évolution, la 4200 GT, et ils nous retirent les feux boomerang pour mettre des espèces de gros placards moches, carrés. C'était bizarre. Alors que ça, c'était vraiment du design à l'italienne. C'était presque des feux de polo. Limite. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient attaquer le marché américain, et que sur le marché américain, c'était juste... Pas homologué les boomerangs. C'est pas réglementaire les feux boomerangs, c'est bizarre quand même. Bah, c'est les Américains. Et donc du coup, comme Maserati veut attaquer les Américains, enfin le marché américain, et ben toute l'Europe n'a plus les feux boomerangs. On en a voulu à Maserati et là, on est content parce qu'on les retrouve. On les retrouve. Alors je fais un peu l'aspect critique. On les retrouve, mais c'est pas comme la 3200 GT où tu avais cette partie carrossée, tu avais juste le feu en fait qui faisait ça, et là tu avais la carrosserie. Mais... Donc là en fait, voilà, là on est sur la 3200 GT. Ne cherche pas, ne cherche pas. Ici on est sur un feu boomerang et je suis intimement persuadé que les designers font un clin d'œil aux gens comme moi qui ont à l'époque été frustrés. Et Maserati maintenant, on vous pardonne. Moi, c'est plutôt la partie avant parce que c'est vraiment l'esprit Maserati. Oui, je note, Mister Cyril, que nous avons quand même 4 belles sorties d'échappement. Oui, tout à fait. On le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais est-ce que ça chante ou pas? Ça chante. Ça chante. Ils ont travaillé l'échappement. Ça chante. N'oublie pas qu'on est sur une version Grand Lusso, donc elle n'est pas faite non plus pour décoller les tympans. Elle est faite pour avoir un bruit agréable, mais rester confortable et rester agréable en toutes circonstances. Donc c'est pour ça que on n'a pas un bruit du tonnerre sur les échappements. Même parce qu'il est bienveillant, il prévoit la chose. Hein. Je pense que tu commences à me préparer pour la suite. Bon, allez, on va passer sous le capot. Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est un gros V8, un gros V6? ou un gros 4 cylindres. Hey! Alors. Hop. Déjà, il y a magnifique deux vérins. Ça, c'est bon. C'est beau. Et là, on se dit, waouh! Ma che bella meccanica della motore. Bon. Un joli cache. Qui cache quoi? Eh ben, qui cache en fait 1, 2, 3, 4. 4 zouilles. 4 zouilles qui veut dire... Bon, on va le dire parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire. Bon, faut le dire. Allez. On est sur un 4 cylindres. Ah, ça y est, je vous entends, ça crie. Allez, c'était bien. Franchement, jusqu'ici, c'était bien. Mais là, bon, allez, plus sérieusement. On est sur un 4 cylindres. Ouais. Sérieusement. D'accord. Donc on pourrait se dire c'est un petit moteur, etc. Je vous rappelle quand même que c'est le même 4 cylindres qui équipe l'Alfa Giulia Veloce 280 chevaux. D'accord. Et qu'on avait essayé et qui franchement... Qui au passage vaut le coup, hein, clairement. Et pourtant c'est un 4 cylindres mais... On est un toucher de route avec cette voiture. Hein, on est d'accord. Il développe 330 chevaux. D'accord. Et surtout, il est assisté par une micro-hybridation. Alors attention, c'est bien une Maserati hybride, mais ce n'est pas une hybride rechargeable. Ah, c'est très important de le préciser. Donc, il n'y a pas de batterie qui va alimenter avec un gros boost et une autonomie de 40-50 km. Pas encore. Surtout, on n'est pas encore sur ce niveau-là. On ne peut pas rouler en 100% électrique. D'accord. C'est important de le préciser. Ce ne sont pas des moteurs électriques qui vont entraîner les roues. Okay. En fait, il y a une hybridation avec une batterie de 48 volts qui va alimenter un turbo électrique qui va permettre en fait d'avoir un turbo efficace dès les bas régimes. En fait. C'est pour ça qu'on dit que ça va être un boost. Si je compare par rapport au moteur 4 cylindres sans le turbo boost qui est à 280 chevaux, si je me réfère au moteur alpha, et ben en fait ce turbo boost va apporter 50 chevaux de plus puisque là encore une fois on est à 330. Ok. D'accord. Et donc on a une voiture qui est souple à conduire et qui a de la puissance dès les bas régimes. Ça on le verra sur la partie comportement routier, mais c'est les bénéfices de cette micro-hybridation. Mais surtout ce que je veux dire en fait, c'est tout l'esprit aussi de cette version Grand Lusso qui est d'avoir une voiture confortable, dynamique, d'accord, quelque part dans l'esprit luxe sportif. D'accord, ok. Bon, tout ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils sont en train de nous préparer à la réelle hybridation, l'hybride rechargeable. Et ça, on attend tous parce que clairement, la micro-hybridation, c'est vraiment une transition. Allez, il commence à pleuvoir, on se met à l'intérieur. Cyril, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau sonorité. Alors certes c'est une hybride, tu vas me dire, on n'est pas sur un aspect sportif, mais il y a 4 sorties d'échappement et moi j'ai envie de les tester. Allez, on y va. C'est pas mal, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est quand même pas mal. Honnêtement, je te jure que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai conduit la 508 PSE et il y a aussi 2 sorties d'échappement, il n'y en a pas 4. Pour te dire, honnêtement, je pense qu'il y a un bon petit travail quand même sur la ligne. Ouais, mais alors par contre, de l'intérieur, comme en plus, tiens, regardez, je vous montre. Ah oui, t'as double... On a du double vitrage. Ah oui. La voiture est hyper bien insonorisée. Ouais. Et du coup, à l'intérieur, et comme... Ils ont quand même l'honnêteté de ne pas mettre un retour dans les haut-parleurs. Et bien à l'intérieur, c'est plutôt feutré en fait. Ouais, bon, on va faire un tour à l'intérieur. Bon, Mister Cyril, on va faire un peu quelques plans dynamiques. À noter. Porte sans encadrement, ça c'est plutôt cool. Et vous avez les soft close les amis, elle là, regardez, hop, c'est magique. Allez. Bon les amis, c'est à moi de prendre le volant de cette belle Maserati. Alors, tout de suite on voit que le volant est assez immense. Hein. Tu l'as bien en main. On l'a bien en main. En conso. Non, je crois que j'ai regardé. T'as regardé? En tout cas ça régit super bien. Point conso les amis, on est à peu près à 8 litres. Allez, 8 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal, mais clairement, je suis pas en mode sport, je suis en mode confort, normal. Ouais, ouais, ouais. Pied léger, très léger sur l'accélérateur. Honnêtement, on évolue avec l'ami Cyril sur des routes à peu près entre 80, 50. On est en 50, conduite normale en fait. Conduite très cool, hein. Ah ouais. Très très cool. En revanche, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur, c'est à combien à peu près? Bah, si on commence à taper dans la conduite sportive, on arrive, ça commence à 12 pour aller jusqu'à 15. Ouais. Bon, ça va. Mais on va pas conduire en mode sportif tout le temps parce que déjà c'est fatigant et parce que de toute façon ça sert à rien sur les routes actuelles. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis c'est pas la philosophie de la voiture. Non. À noter quand même les amis, ce gros volant avec ces grosses palettes, c'est pas que c'est sport, mais c'est étonnant encore aujourd'hui de voir des gros volants comme ça. Allez, c'est parti avec l'ami Cyril au volant. On va faire un petit peu la discute. Allez. Donc alors on disait niveau performance, on a sous le capot 330 chevaux. On a à peu près 450 Nm de couple. On est sur un gros gabarit, 1870 kg sur la balance. Et là, il y a peut-être des conséquences au volant. Bah, moi, je trouve que au niveau du train avant, on n'a quand même pas une précision digne d'une sportive. On sent quand même qu'il y a beaucoup de poids sur l'avant, que la direction au sol, elle est quand même filtrée, puisque comme on a la DAS 2, on a une direction électrique, donc on est moins en lien avec. Ah, c'est une direction électrique. Ouais, on est moins en lien avec avec la route, donc du coup, forcément, ça filtre beaucoup les choses. Et du coup, en sensation de conduite, on a beaucoup moins de sensations. Donc c'est vraiment une philosophie plutôt GT, hein, cette voiture. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas sportive, c'est pas une pure sportive, c'est une hybride. C'est pas une pure sportive. Okay. C'est une GT vraiment luxe. C'est c'est de la sportivité chic. En vrai, on peut quand même se faire plaisir. Franchement, regarde, c'est là que tu sens que tu es dans une Maserati, quoi. Franchement, honnêtement, à aucun moment tu as une perte d'adhérence. Enfin, j'en ai eu un peu. T'as senti? J'ai eu quelques pertes d'adhérence, mais je fais des demi-tours dans des zones grasses. Donc avec des feuilles. J'ai fait des demi-tours. J'ai pas fait de donuts. Non, mais tu vois, regarde, quand tu fais des demi-tours comme ça, forcément, tu as tes pneus qui sont enduits. Donc, quand tu commences à accélérer juste là en sortant, tu patines un peu. Tu es en pleine forêt, tu as une route grasse déjà naturellement, donc forcément. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Mais on peut avoir une conduite. Tu t'es fait plaisir un peu ou quoi? Franchement, là, je me suis fait plaisir. Il faut le dire. Parce que j'ai freiné fort, elle a freiné droit. J'ai accéléré fort. Par contre, si je suis sur du gras, je vais l'avouer, j'étais toujours les roues droites. Mais à aucun moment je l'ai senti partir. Voilà. Donc non, quelque part. Et la direction, tu la sentais un peu plus précise quand même? Non, la direction, même en mode sport, je la trouve trop floue. De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas une pistarde, c'est une GT, mais ça veut dire que bon, même si avec ce 4 cylindres, tu veux te faire plaisir un petit moment. Et vraiment, je suis étonné du comportement de ce 4 cylindres quand on commence à le gérer aux palettes. Ouais, c'est ça, c'est les palettes. Parce que en mode sport, en automatique, c'est une boîte 8 ZF du rapport. Ouais. Elle est quand même paramétrée pour avoir un certain niveau de confort, et donc les rapports vont passer directement à 3000-3500 tours. Ah oui, d'accord, donc il faut forcer. Il faut les emmener à 5000, et là à 5000 ça commence à chanter, et tu commences même à avoir des petits retours d'échappement. J'ai entendu, quand tu rétrogrades. Alors peut-être que déjà toi tu l'as entendu à l'intérieur, mais je te jure que de l'extérieur, honnêtement, t'as pas l'impression de rouler en 4 cylindres, hein, vraiment. Ils ont fait vraiment un bon travail sur l'échappement. Et les palettes, j'adore. Hein. Ouais. Bon. C'est quand même une Maserati alors. Franchement, honnêtement, ça. Voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur cette voiture. Mais je l'ai convertie. Mais honnêtement, ils ont fait un bon job hein, sur. Mais c'est comme ça qu'on arrive aussi à nous convertir à l'hybride quelque part. C'est pas en mettant 4 sorties d'échappement et aucune sonorité. Franchement, honnêtement, ça reste bluffant. Il y a eu un travail Maserati. Il y a eu un vrai travail. Et en plus, si tu dis que tu as eu un peu de plaisir quand même au volant. Oui, franchement, oui. Voilà, on n'est pas sur un V6, on n'est pas sur un V8, mais quand même, la transition se fait de manière très saine. Les freins ont fait leur job aussi, parce que c'est important. Freins, t'as vu la dimension des freins, perforés, ventilés, donc non, plutôt séduit. Et encore une fois, oui, c'est un 4 cylindres, mais il peut se montrer vraiment digne d'être sous le capot d'une Maserati. Alors est-ce que c'est ah ouais, fermeture électrique. Alors ouais, si tu regardes, il y a du volume, hein, il y a 500 litres de coffre. 500 litres de coffre, c'est-à-dire que tu pourrais... Tu vois ce que je veux dire, tu pourrais rentrer dedans. Tu pourrais rentrer dedans, comme on avait fait avec la Ghibli SQ4, ouais. Tu te rappelles. Par contre, regarde, ici le seuil de chargement, il est relativement haut. Ouais, là, une valise, gros, ça passe. Charger des valises, ouais. Mais le buffet de Tata, ça va pas passer. Le buffet ou l'armoire cluche-muche de chez Ikea, ça passe pas, hein, d'accord. La crue et fruits. La cluche-muche, le cluche. Pour aller chercher des petits bagages qui sont baladés au fond, il va falloir quand même aller chercher noir. Ouais. Regardez. Non mais honnêtement, quand même, 500 litres, c'est plutôt pas mal. Oh, le pauvre, il est coincé. Alors, si on fait ça, c'est la guillotine. Voilà. Oh, ça c'est pas mal. Non, c'est plutôt pas mal, on est quand même sur du luxe. Oui, et ben oui. Tu sais quoi, on va s'installer à l'arrière. Ouais, à l'arrière. Allez, soyons fous. Oula. Comment vais-je faire? Alors là, j'ai mis le grand angle, donc ça se voit pas forcément. Mais ça va. Franchement? Non, ça va parce que bon, tu t'es reculé, hein, sur le siège. Parce que j'ai... maintenant. Et il est comme ça. Bon, ça va. Ça va, il y a de la place. Alors... ce que dire. Bon, regarde le toit, c'est assez rigolo. En fait, t'as une bosse ici. Ah oui. Pour la tête. Ah oui, bien. D'accord. Ouais. Et après, ça redescend. Donc, ça veut dire que si ça freine, cling. En fait, t'es arrêté par le toit. D'accord. En fait, c'est comme dans les GT40. Ils avaient fait une bosse pour le casque. Ah oui, c'est vrai. Et bah là, c'est pareil. Ouais, pas mal, pas mal. Bah, du coup, à l'avant, t'as le toit ouvrant qui creuse un peu plus. Si tu mets un casque. Bon, c'est ce que vous allez avoir comme vue, donc une très belle vue, très classe, très élégante, avec ce joli cuir. On va pas se mentir, l'habitabilité arrière, elle est quand même moyenne. Bah, en vrai, elle est moyenne, mais regarde, on est quand même deux adultes avec... On est deux adultes, et honnêtement, moi, je peux voyager comme ça, parce que je trouve que les sièges, ils sont creusés. Et puis, on n'est pas des petits gabarits, et donc honnêtement, ça passe. Non, mais en vrai... Ouais, en vrai, ça passe. Après, forcément, c'est toujours la même histoire avec cette fameuse troisième place, mais bon, t'as le tunnel de transmission... C'est une propulsion. Hein. C'est une propulsion. Et oui, il est là aussi le plaisir. C'est une propulsion. Donc bon les amis, c'est sûr que c'est pas un monospace comme je dis, mais bon voilà, ça fait le travail, hein. Vous êtes 4 adultes à bord. Franchement 4 adultes ça passe, hein, ça fait carrément. Et alors moi j'aime bien, c'est ça, hein. C'est le travail sur les portières, les contre-portes, les cuirs. Bon ça on le verra vraiment sur la présentation intérieure, mais ça voilà, on est dans le luxe quand même. Là franchement on est quand même dans un intérieur vraiment luxueux. Et regarde, c'est doux, hein. Ouais, j'aime bien, c'est doux. On a envie de faire des câlins au toit. Bon, c'est une grosse option, encore une fois. Une option qui vaut à peu près... C'est une petite option. Entre 2 et 3 000 euros? Non, 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 moins cher que ça. C'est vrai? Ouais. Allez, on passe à devant, juste devant, les places à l'avant. Hop. Voilà, même le soft-close sur l'arrière. Bon, ça, vous allez me dire, on le connaît déjà sur les Allemandes. Et Mister Cyril va nous présenter un petit peu... l'intérieur de cette Maserati, c'est Monsieur Luxe. Et Monsieur Luxe. Attends, on va faire le ménage quand même. Voilà. On va faire les choses bien. On va faire les choses bien. On va faire les choses bien. Alors, à noter que, alors, certes, l'extérieur est crade parce qu'il pleut, mais l'intérieur, je vous rassure, est toujours propre. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va allumer un peu tout ça. Les finitions. Alors déjà, remarquez le cuir. Tu te détends, toi. Alors, attendez. Là. Assis quoi. Comment assis? Parce que en fait le petit problème technique c'est que quand tu ouvres la portière elle se met à gueuler. Elle se met à gueuler, donc c'est pas grave, on va faire la présentation intérieure. C'est une italienne, elle a du caractère, hein. Voilà. Alors les finitions de cette Ghibli en version Grand Lusso. Grand Lusso parce que regardez, on a un intérieur plutôt typé luxe avec ses finitions piano black que l'on va retrouver un petit peu partout. Même sur le volant. Ça. Alors ça j'aime beaucoup, hein, vous voyez ici là, le petit jonc en piano black sur le tour du volant, volant qui est chauffant d'ailleurs. Et puis ici on a du cuir partout, de l'aluminium. Franchement au niveau de la prise en main... J'allais te poser la question, est-ce qu'il est gros quand même, hein. Il est gros, mais bon voilà, ça respire la qualité. Conduit un camion quoi, non je plaisante. Non, Par contre c'est la grosse palette volant. Aluminium. Donc là elles sont assez pratiques, on l'a vu tout à l'heure en conduite, hein. On les a vraiment en main. Ça te rappelle pas quelque chose? Ça me rappelle un petit peu quelque chose, une petite sœur sportive de... Italienne. Hein. Littéral non, mais bon. Hein. Littéral non. C'est la famille. C'est la famille. Petit logo Maserati effectivement ici aussi. Et puis moi ce que j'aime bien c'est qu'on a une réelle progression sur tout ce qui est assemblage et matériaux. Rappelle-toi les premières Ghibli qu'on avait essayées, on avait quand même des gros écarts sur les jointures. Bien sûr. On avait des choses qui étaient quand même imparfaites. Là, ils ont rectifié quand même certaines choses. On a une très grosse progression, on a des standards vraiment premium. Ne serait-ce que sur l'infodivertissement. Oui, qui a complètement changé et qui aujourd'hui devient intuitif. Encore une fois on a fait les tests, hein, sans avoir appris appris à l'utiliser, eh bien on l'utilise sans aucun problème, et c'est là qu'en fait on va avoir vraiment le résultat du travail sur cet infotainment. Cette petite baguette qui fait bien ici d'en parler, parce que ça fait partie des petites attentions que j'ai découvert sur d'autres marques et qu'on retrouve ici. On taira le nom bien sûr. À quoi ça sert? Eh bien regardez, c'est un repousse-pouce. Hop là, on pose le pouce. Tu peux parce que un repousse-pouce. Et quand on conduit comme ça, on peut avoir plus de précision sur la manipulation. Regarde le petit truc que moi j'aime beaucoup. Ouais. Il y a une recharge sans fil du téléphone, mais en fait c'est pas une espèce de plaque toute bizarre qu'on va avoir en bas ici. En général, regarde, là on a un petit tiroir, c'est quand même assez stylé. On va poser le téléphone dedans. Cette petite feutrine pour pas rayer ton téléphone. Ouais, parce que quand on a une voiture de luxe, on a un téléphone de luxe. Bien sûr, bien sûr. Et on pose le petit tiroir et hop, c'est parti pour la recharge. Il se referme pas tout seul? Alors il se referme pas tout seul, non, non. Alors tu as une connectique USB et USB-C, voilà, pour ceux qui veulent. Mais je trouve que ce petit tiroir... Petite attention, voilà. Bah, mine de rien, moi j'aime bien, je trouve ça assez propre. Sympa, sympa. Alors, sympa, ok. Ici on est en cuir pleine fleur. Cuir pleine fleur. Sur piqûre bleue qui rappelle donc... C'est l'hybridation, touche de bleu, voilà, due à l'hybridation. Alors là, les surpiqûres, on peut changer la couleur, mais je trouve que ça va plutôt bien avec. D'ailleurs, tu fais bien de préciser, mais on peut changer justement. C'est ça aussi qu'on peut, on peut classer cette Maserati dans le monde du luxe. Pourquoi? C'est qu'au niveau du catalogue. Alors, on peut aller encore beaucoup plus loin dans le catalogue de personnalisation, puisque on peut avoir des cuirs très particuliers de chez Zenia, notamment. Il y a un cuir tressé qui est absolument sublime. Ah, oui. On peut avoir des inserts de bois. On peut mettre tout ce qu'on veut en fait. On peut même mettre de la marqueterie. Vraiment, on peut aller atteindre un niveau de personnalisation assez fort. Sur cette Maserati. C'est ça qui fait la différence par rapport aux voitures premium, où on se limite quand même à 2-3 inserts et puis c'est tout. Là, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle du bespoke, c'est-à-dire aller vraiment sur de la surpersonnalisation. La petite casquette ici que je trouve un petit peu épaisse par rapport à la pendule. Il n'y aurait pas eu de casquette que j'aurais trouvé ça plus jolie, avoir une espèce de pendule suspendue. Ouais. Mais bon, c'est quand même la classe d'avoir une pendule Maserati. C'est la petite touche d'origine Maserati. Bon, moi ce que j'aime bien, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est plutôt raffiné. Ouais. Mais il y a des petites notes quand même, des fausses notes. Hein. Ça reste perfectible. Voilà. On a des notes de plastique ici ou là qui restent, je t'avoue, faut être honnête, digne d'un intérieur de luxe ici. Même si, encore une fois, là, il n'y a pas de rossignol, il n'y a pas de bruit. C'est des plastiques de très bonne facture avec des assemblages, tu vois, qui sont quand même très bien faits. Ça reste quand même du plastique. Voilà, quand on ressentit, tu sens que c'est du plastique. Bon, après, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, très bonne note et très belle évolution. Ouais, très belle évolution. Alors après, encore une fois, on est sur une Ghibli, on n'est pas sur la Quattroporte. Bien sûr. Quattroporte, on n'aura pas ces choses-là parce que là, on sera vraiment dans le summum du luxe. Là, sur la Ghibli, on est quand même sur un niveau de luxe qui est très très bon pour Maserati, pour ce niveau de gamme. Et ce niveau de prix. Non, la grande classe quand même, quand tu as ce seuil de porte Maserati, hein, c'est quand même... Hein. Quand tu rentres dans ta voiture et qu'il y a marqué Maserati et que tu as ce trident sur le volant, je peux t'avouer que même moi qui ai conduit beaucoup de belles voitures, ça me fait toujours un petit quelque chose, ce petit frisson qui me dit je suis content de prendre ma voiture. Elle n'est pas parfaite, mais ça reste une italienne et on les aime. La meilleure conclusion. Démarrage. T'as remarqué le bouton à gauche? Ouais. Ça, c'est un héritage de voiture de sport de l'époque, ça. C'est lié aux 24 heures du Mans, tout ça, oui, après, ça, c'est de la légende. C'est de la légende. Oula. Si tu mets en mode sport. Bon, ok. Oui, bon, on est sur un 4 cylindres. Voilà, ça reste assez neutre en bruit pour l'instant. À l'intérieur, c'est tellement bien insonorisé qu'à l'intérieur, en fait, on n'a pas cet effet sportif. C'est à l'extérieur qu'on va entendre quand même sur de la conduite, encore une fois aux palettes et dans les tours, qu'on va entendre la vraie sonorité du moteur. Allez, on va voir tout ça. Cyril, c'est l'heure du bilan un petit peu à bord de cette Maserati, enfin à bord. plutôt à l'extérieur, avec la vue sur cette Maserati Ghibli. Bon alors, premier abord, on va parler, on va dire, au niveau prix, tarification. La version qu'on a essayée est une version qui est optionnée, comme d'habitude. Ouais. On a à peu près 30 000 euros d'option, ce qui nous l'emmène, malus inclus, à 127 000 euros. Mais c'est une gamme, ça commence à faire, mais c'est une gamme qui commence à environ 75-80 000 euros. En hybride, dans la gamme hybride. Dans la gamme hybride, d'accord. Ce qui peut être raisonnable. Ouais. Alors par contre, on va se dire, à ce tarif-là, 80 000 euros, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver en face? En fait, pas grand-chose. Parce que ici, je te le rappelle, on est, je vous le rappelle, on est en technologie hybride, mais en MHEV. Donc c'est pas, une voiture qui, par exemple, va pouvoir rouler en tout électrique, quand bientôt dans les villes, on ne pourra plus rouler en thermique. D'accord. Donc c'est pas de l'hybride plug-in, mais c'est du MHEV qui va donner cet effet boost. Alors les concurrentes. Donc, les concurrentes, du coup, j'en ai pas beaucoup à te citer parce que les concurrentes, elles sont toutes en PHEV. Ce sont toutes en hybride rechargeable. En hybride rechargeable, que ce soit les BMW Series 5, que ce soit les Audi A6. Et surtout Porsche Panamera hybride. Porsche Panamera, bref. La concurrence directement. Ouais, donc c'est difficile à comparer. Alors, si vous avez des idées, dites-le nous parce que nous, on a cherché, on s'est gratté la tête et on n'a pas trouvé de concurrent direct à cette hybride made by Maserati. Il aurait fallu en fait que Maserati aille jusqu'au bout du principe de l'hybridation, c'est-à-dire adopter une batterie. Jusqu'au PHEV, jusqu'au plug-in hybride. Et là, on aurait pu la comparer clairement à ses concurrents. Mais là, j'ai une petite surprise, puisqu'on va avoir des réponses directement de Monsieur Maserati, puisque on va pouvoir poser les questions au directeur commercial monde de la marque. Monsieur a décroché une interview quand même. Donc ça, vous le verrez tout de suite, juste après ce bilan. Tout à fait. Voilà. On va lui poser la question. On va lui poser la question, surtout vos questions que vous avez aussi, puisqu'on vous a sollicité sur la chaîne Cars Passion pour poser un petit peu les questions sur cette Maserati à micro-hybridation. Et donc, on va lui poser toutes ces questions en toute transparence et en toute honnêteté. Tout à fait, ainsi que l'avenir de la marque sur l'hybride. Exactement, parce que c'est un vrai marché, une pleine transition énergétique sur l'automobile. Toutes les marques y vont, toutes. Que vont-ils devenir? Qu'est-ce que va devenir Maserati demain dans le monde hybride et électrique? Alors la cible ici, clairement, on est sur une voiture qui présente des avantages fiscaux, puisqu'on est sur un modèle hybride. Elle est en partie amortissable. On va pouvoir récupérer en partie de la TVS. Donc, la cible est clairement désignée, ce sont les entreprises, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, etc. Ça peut même être des artisans commerçants. Des artisans, oui. Des bonus pour les grosses entreprises, pour les commerciaux qui ont relevé des challenges. Bref, ça peut être une voiture entreprise, mais ça peut être aussi une voiture destinée aux particuliers parce qu'elle est habitable, confortable, relativement sobre. Ça reste une Maserati quand même. Ça reste une Maserati. On a un badge sur le capot. Et c'est pas qu'un badge finalement. Et c'est pas qu'un badge. On a une belle sonorité. Elle a un vrai caractère de Maserati. Elle garde un peu la Maserati. Ouais. Alors on va se faire assassiner parce que tout le monde va nous épingler sur le 4 cylindres. Mais vraiment, essayez-la et vous verrez que même un 4 cylindres peut avoir l'âme du Maserati. Et d'ailleurs, je vous rappelle que 4 cylindres, c'était des moteurs Maserati de course à l'époque des années 60, où Maserati gagnait beaucoup de courses. Oui, et puis après, il y a aussi Porsche qui a décliné le 4 cylindres, le flat 4 sur la 1618. Donc on sent qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une vraie volonté économique et politique à ce que les constructeurs développent justement des petits moteurs associés à l'hybridation. Donc on est obligé finalement. C'est pas une question de développement plaisir, c'est question économique et énergétique. Il faut vous dire les amis, on en est malheureux tous les deux. L'époque des V6, des V8, des V10, des V12, c'est terminé. Est-ce que tu te souviens de la Ghibli SQ4? La SQ4 avec son V6. Moi j'ai encore des grands souvenirs de cette voiture-là, de cet essai. C'est terminé. C'est presque terminé. C'est presque terminé. Parce que il y a quand même des belles choses dans la gamme, on en reparlera un peu plus tard. Il y a des belles choses, heureusement, mais pour que ces belles choses existent, il faut que derrière, en volume de vente, l'hybridation, les hybrides, les électriques se vendent. Parce que si ça ne se vend pas, clairement, le constructeur va être pénalisé. Et clairement, c'est la fin des constructeurs, si derrière, ils ne jouent pas le jeu. La fin des constructeurs de sportives, avec ces motorisations-là. Reste encore que Maserati a sorti fin 2020 la MC20, qui elle est avec un moteur V6 Neptuno, qui est quand même, encore une fois, un des derniers moteurs de caractère à l'ancienne. Mais on parle d'un V6. Et on parle d'un V6, oui, mais allez, on donne une petite info. La Trofeo. La Trofeo. V8. Ok. Allez, on en reparle plus tard. Ça va être encore une rareté, mais effectivement, aujourd'hui, même les AMG, les C63 AMG vont se décliner en 4 cylindres. Donc, clairement, ne soyez pas non plus choqués. Le frein, il est beaucoup dans la tête. Essayez-les et vous verrez qu'il y a du plaisir, même au volant de ces 4 cylindres. Les amis, il est l'heure de vous laisser. C'est déjà la fin avec l'ami Cyril. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on doit faire, Cyril ? un petit pouce. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, parce que même si la vidéo se termine, bah, le débat continue en commentaire. Et puis nous, on sera là pour les lire et puis pour vous répondre. Exactement. Merci les amis, pouce, et puis à très vite pour de nombreuses aventures en Maserati. On vous laisse aussi deviner laquelle Maserati. Il y a des surprises qui arrivent. Allez les amis, on vous laisse. Ciao, ciao. Bisous la famille. Alors, là t'as allumé, le coin s'allume pas. Oh là 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 là, on va cuiter hein. Les amis, voici les clés historiquement. Les amis, voici les clés de la Maserati, mais pas n'importe quelle Maserati, puisqu'il s'agit de la Maserati, la première Maserati hybride. Et c'est Cyril qui nous la présente. On fait tout de suite le tour du propriétaire. Là-bas. Ouais. Alors là, il y a 2 chevaux, ouais. Et là, il y en a 330. Donc ça fait 332 chevaux. Ouais. Merci la motorisation hybride. Ouais. Et par contre, eux, ils ont 8 pattes motrices. Oui, 8 pattes motrices. Ouais. Intéressant. Les amis, bienvenue à Rambouillet dans le domaine. Je pense que c'est le meilleur endroit, pas forcément le meilleur temps pour présenter cette Maserati hybride.